Salut à tous, on se retrouve, il y a un gros nuage, donc il n'y a plus de soleil, ça c'est triste, sur le THL Knight 2, donc un mois que je tourne avec, j'ai pas noté de problème, tout marche plutôt bien, même s'il y a quelques ralentissements je trouve maintenant, après c'est peut-être à cause des applications que j'utilise, le capteur d'empreinte marche toujours, le QI de charge c'est vraiment le point positif du smartphone, vous le posez, boum ça charge, nickel. Donc il n'y a pas vraiment de chauffe à part pendant la recharge avec induction, bien sûr. Bon après, niveau photo, j'ai trouvé ça triste. J'ai tout essayé, j'ai essayé de pousser avec d'autres APK, d'autres machins. Non, le capteur photo est vraiment merdique. Il y a pire, mais il y a quand même vachement mieux pour le même prix. Donc voilà, petit processeur MediaTek 6750 qui marche bien. Il ne m'a pas fait faux bond, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait un peu, ouais, un petit peu. Hein. J'ai fait du gaming un peu avec. Le multitouch répond bien. Enfin, il répond bien, même si c'est un 5 points multitouch, il répond bien, il n'y a pas de problème. La lettre de notification, c'est un plus, j'ai beaucoup aimé. Il aurait pu être mieux. USB type C, effectivement, ça aussi. Il aurait pu être mieux, mais bon, voilà, THL, j'ai l'impression que c'est vraiment leur dernier modèle. Et on verra le prochain, si je le prends ou pas, je ne sais pas. Par contre, si pour le même prix, vous voulez vous faire plaisir, je vous mettrai aussi le lien dans la description du THL, mais il y a aussi un autre qui sort là, enfin qui est sorti, c'est le M-Horse Pure 3, avec un processeur MediaTek 6763. Ouais, c'est ça. Et si vous le voulez, celui-là, par contre, il vaut le coup. Rien que pour le processeur, 135 balles. Peut-être pour la photo, ce ne sera pas magique. Mais pour 135 balles, rien que le processeur, comme j'ai testé sur le K6 de chez Ougitel, parfait. Il marche très bien. C'est pas le meilleur, bien sûr, mais pour 135 balles, c'est juste le meilleur. Ça, c'est clair et net. Vous verrez en dessous, dans la description, je vous mettrai le lien pour le retrouver si vous le souhaitez. Je vous mettrai aussi le lien du M-Horse Pure 3. Vous verrez quelques photos. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai pas apprécié l'utiliser en photo. En photophone, je l'ai pas apprécié. Même le Ougitel U18 m'a donné plus de satisfaction que celui-là. Donc ça, je vous mettrai quelques photos à la fin. Et vous verrez, c'est pas... Si vous voulez voir les photos en gros format non compressé, je vous mets un lien aussi dans la description si vous voulez le faire. Donc j'ai mis un peu tous les téléphones que j'ai testés depuis quelques temps. Pas depuis le début, mais j'ai essayé de rattraper le coup. Et donc vous pouvez voir ça, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao !